on va avoir maintenant un grand joueur de cora. Et alors, du coup, il s'appelle Ablaye Sissoko. La pièce que je vais vous jouer s'appelle Amanke Djonti. Amanke Djonti, dans ma langue maternelle, qui est le mandingue, veut dire c'est pas une esclave. Cette chanson parle des jeunes filles qui sont dans les villages, qui travaillent la terre. Après la saison des pluies, il n'y a plus de travail, donc elles vont rejoindre les grandes villes. Et dès qu'elles arrivent dans ces grandes métropoles avec aucune qualification, elles vont être employées comme domestiques, bonnes de maison. Et ces jeunes filles sont surexploitées, elles commencent à travailler avant que le soleil ne se lève. Le soleil va se coucher, elles sont toujours là en train de travailler. Elles sont traitées de tous les noms, elles sont abusées aussi. Et il y a dans certains endroits même où les passeports de ces jeunes filles sont confisqués. Ces jeunes filles sont des braves. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ils veulent gagner leur vie honnêtement. Ils travaillent dans les maisons, ils travaillent tellement bien que madame oublie des fois de s'occuper de son mari et fait le remplacement dans certains cas qui est vraiment un grand fléau. Et elles sont condamnées à rester des bonnes parce que leur maman était bonne, parce que leur grand-mère était bonne aussi. Et donc, si rien n'est fait, leurs enfants vont venir, vont suivre le même chemin. Et pour dire que cette enfant, elle n'est pas née esclave. Et sur cette pièce, je dis, est-ce que vous oserez vraiment exploiter votre propre fille comme vous êtes en train de le faire à cet enfant? Voilà, ça parle de ça. Yeah, la la la, Mansour.
Sarele. Applaudissements Sissoko.